Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est horrible! On dirait encore une de ces poupées hantées! On avait un souci avec une poupée, mais maintenant elle est partie. On n'a plus le souci. Je suis Melinda Casanova. Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. J'en ai marre de toutes ces histoires de youtubeuses. Massilia, elle m'a encore envoyé un message en disant qu'elle était plus mon amie. Bon, moi je m'en fiche. De toute façon, ça m'a démoralisée pour toute la journée. Qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est pas possible, elle est encore en retard là. Lily Rose, dépêche-toi! On n'a pas tout notre temps là, on a un rendez-vous dans 30 minutes. Comment on va faire? Il y a 45 minutes de route. Je vais l'appeler. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, c'est Esteban et le rendez-vous hyper important. Allô Esteban? Allô? Lily Rose, dépêche-toi là, j'ai pas envie de rigoler. Si on est en retard, on va avoir des gros problèmes. Non, 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 de toute façon je me suis embrouillée avec Massilia, je viendrai plus à ton rendez-vous. Encore une histoire avec Massilia. Tu peux pas te faire des vraies copines là au lieu de toujours être sur ton téléphone et discuter avec des gens comme ça? Bon sang, comment on va faire? Qu'est-ce que c'est ça? Léo, vous êtes qui? Punaise, c'était qui encore celui-là? J'espère que Lily Rose, elle va être prête pour mon rendez-vous. Il se passe vraiment trop des trucs bizarres en ce moment. Qu'est-ce qu'il a déposé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lily Rose, ouvre-moi là! Oh, il a encore oublié ses clés! Oh là là! C'est bon, j'arrive, j'arrive! J'arrive, j'arrive! Allez! Ah bah c'est pas trop tôt, qu'est-ce que tu fais? C'est toi! On a encore un problème à régler, je pense. Moi j'ai assez de problèmes! Non mais Lily Rose, reviens! Non mais c'était qui ce gars en noir là? Et puis ce colis? Il y a trop de trucs bizarres dans notre vie en ce moment. Bon allez, par là, ils m'embêteront plus. Je vais pouvoir bouder toute la journée maintenant. Génial! Bon Lily Rose, ça suffit là, tu vas m'aider à ouvrir ce... Lily Rose! Lily Rose! Eh oh! J'ai pas envie de rigoler là, il se passe des trucs bizarres en ce moment. Il faut que tu m'aides. Oh, elle s'est encore cachée. Bon, c'est pas grave, moi j'ai pas de temps à perdre. Il faut que je sache ce qu'il y a dans ce colis. Alors, par où commencer? De toute façon, vu le gars qu'il a déposé devant chez nous, je pense pas que ça va être une surprise. Allez. Ah! On dirait plus une espèce de colis vide-grenier qu'autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait quelqu'un qui a vidé son grenier dans un carton. Non mais sérieux quoi? Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais c'est horrible! On dirait encore une de ces poupées hantées! Bon, ça suffit. C'est quoi ce bout de papier là? Ah, il y a un truc écrit dessus. Petit moustique? Oh non. Je sais qui dit ça. Hi, les moustiques! Une couche des petits microbes? Des moustiques? Petit moustique? Ma petite, on va se charger de toi avant que tu nous causes des ennuis. Mais elle est passée où? Eh oh! Poupée! Poupée, gentille poupée! Où est-ce que t'es partie? Oh bon sang! Oh non, ça commence déjà! Qu'est-ce que c'est ça? Qui es-tu, petite poupée? Attends, mais je t'ai déjà vu quelque part, toi! Je t'ai vu dans une vidéo de Massilia! C'est sûr que c'est elle qui me l'a envoyée! Bon, allez, viens par là, toi! On va avoir des petites explications avec Massilia! Esteban, Esteban! Regarde ce que j'ai trouvé! Une poupée trop moche et trop bizarre! Ah bah tu es là, petite peste de poupée! Oui là là, tu deviens déjà fou! C'était la poupée qui était dans le carton, qu'on a reçue par l'homme en noir! J'en ai marre de toutes ces histoires de poupées! Je sais d'où elle vient, c'est la poupée qui hante les vidéos de Massilia! Je suis sûre que c'est elle qui nous l'a envoyée, j'en suis sûre et certaine! Et pourquoi il nous aurait envoyé ça? Parce que Massilia toute seule, elle réussirait pas à faire un colis comme ça! Ça veut dire que son père, il est dans le coup aussi! Bah, pour s'en débarrasser, tiens! Et comme je me suis un peu embrouillée avec Massilia, bah voilà quoi! Bah débrouille-toi avec Massilia et son père, moi je veux plus entendre parler de cette histoire. Allez, vas-y, garde ta poupée. Mais j'y peux rien, moi! Bon, allez, je vais envoyer un message à Massilia pour lui demander si c'est bien elle qui m'a envoyé cette poupée horrible! Salut Massilia, je pense que c'est toi qui m'as envoyé cette poupée là, tu vois très bien de laquelle je parle. En tout cas, c'est vraiment pas sympa si c'est toi, même si j'en suis sûre. Allez, c'est parti, on va trouver une solution
pour faire partir cette poupée. Bon, on pourrait simplement leur renvoyer. Hein. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait. Mais bon, à mon avis, la maison, elle va continuer à être hantée. Elle a dû lâcher son esprit, là, tous ces fantômes dans toute notre maison. Moi, j'ai pas envie de faire des cauchemars toutes les nuits. Alors, solution pour ne plus être possédé par une poupée. La voyance. Ah, c'est pas bête, ça. Si on appelait une voyante. En plus, j'en connais une. C'est une amie de Tata Grognon. Comment elle s'appelle déjà? Melinda la Casanova. Bref, allez, je vais rechercher sur internet son numéro. Ah bah enfin, enfin une réponse. Ah là là, allez, c'est parti. Salut Lily Rose, ben c'est papa, il y a ma Cilia avec moi. Et je sais pas, on voit pas de quoi tu parles, hein, Mas-Mas? Oui, je sais pas quoi... De quoi tu parles? Ouais, on sait vraiment pas de quoi tu parles, ni de quelle poupée. Nous, il y avait une poupée qui nous a hanté, mais on a réglé le problème. Mais on veut pas avoir de nouveau ce genre de problème, donc ne nous parle plus de ces sujets-là. On n'aime pas ça, et voilà. Bon, allez, règle ton problème toute seule de ton côté, et voilà. Allez, quand même, on te fait de gros bisous, et allez, bye bye, hein. Ouais, n'importe quoi. Je suis sûre qu'ils mentent, c'est pas possible. Elle est à elle, cette poupée. Je l'ai vue dans leur vidéo en plus. Ah yes, c'est bon, j'ai son numéro. Alors, voilà. Oula, 100 euros pour une heure. Oula, je suis pas sûre de... Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai plus envie d'être hantée. Allez. Allô, Melinda Voyance, bonjour. Oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour ça vous, serait monsieur? Pour, je sais pas, pour nettoyer une maison de tous les fantômes, qu'on soit tranquille. Voilà, je veux être tranquille, je veux ne plus rien avoir chez moi. D'accord, je vois, je d'accord. vois. Ah bah aujourd'hui, c'est disponible. Aujourd'hui. Ah bah super. D'accord. À tout à l'heure. D'accord, à tout de suite. Oh, ça va, Simon, mon hamster préféré, mon magnifique. Oh, je l'adore. Bon, allez, je vais quand même appeler Massilia sur son propre téléphone. Ça se trouve, elle sera toute seule. Et peut-être que si elle est toute seule, elle va tout avouer. Bon, allez. Allez, réponds. Allô, Lily Rose? Ah, allô, Massilia. Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé une poupée par hasard? On avait un souci avec une poupée, mais maintenant, elle est partie. On n'a plus le souci. Ah, d'accord. Allez, je te laisse aller, bye. Elle veut rien dire. Bonjour, je suis Melinda Casanova. Aujourd'hui, je viens aider Lily Rose et sa famille. Bonjour.